Salut les pompeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis dans le 1045. On va tester le caisson qui est juste derrière moi avec deux personnalités qui n'ont jamais testé ce métier. Je pense que vous allez kiffer. Allez, c'est parti. Là, je viens d'arriver dans le 1045. Alors, on va faire du caisson juste derrière. Mais avant, j'ai deux invités. Franchement, vous allez kiffer. Premier invité, bien sûr, honneur aux dames, Lalou Croft. Lalou Croft. Donc, voilà, déjà, décris-nous pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Lalou Croft, 27 ans, policière municipale et avec la spécialité de maître chien. Donc, t'as un chien, il s'appelle comment? Jéricho. Jéricho, il a quel âge? Il a 8 ans. Donc, lui, qu'est-ce qu'il veut? En fait, c'est quoi ses missions? Lui, c'est un chien d'intervention, donc il va venir faire des frappes muselées à l'aide de sa muselière renforcée et aussi du mordant sur, sur des individus armés. Ça marche. Et là, du coup, tu vas tester le caisson. Est-ce que tu as déjà porté l'aéri? Tu as déjà testé jamais, tout ça? Jamais. T'as envie ou pas? Ouais. Envie d'avoir chaud. Ouais, t'as envie d'avoir chaud. Du coup, alors, on va tester ça. Déjà, juste avant de commencer, t'es excité, je sais pas, c'est quoi tes sensations? J'appréhende beaucoup le port du masque. Ok. D'avoir, je sais pas si les bons termes, mais ma respiration en autarcie. Ouais. Je prends plus l'air de l'extérieur. Donc ça, j'appréhende, mais après, sinon, le caisson lui-même, je pense que. Caisson, t'as envie? T'es pressé? De ouf. Bon, ça marche. Quoi faire? On va faire la petite réaction juste après d'être sorti et j'espère que tu vas kiffer. Et maintenant, deuxième invité. Voilà, les gars, vous le connaissez tous. Anton, vas-y. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Voilà, franchement, c'est un plaisir de faire une petite vidéo avec lui. Voilà, vous le connaissez tous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on ne sait jamais, explique-nous un peu qui t'es. Donc moi, je m'appelle Aton, je suis acteur maintenant, mais sinon avant, j'étais GIGN pendant 15 ans, j'ai 20 ans d'armée, dont 15 ans passés au GIGN. J'ai fini chef de groupe, j'ai écrit deux livres. Ok. GIGN, Confession d'un Obs et Feral. Et là, on est sur l'écriture d'un troisième qui sera un roman. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de passer la journée avec toi. Eh bien, ça va être un plaisir. Si on veut te retrouver sur les réseaux, si on veut acheter ton livre, c'est sur quoi? Aton officiel, Aton tiré du bas officiel sur Instagram, Facebook aussi, Aton. Et sinon, les livres, il est sur Amazon, sur Fnac, librairie, on les trouve partout. Ok, donc on tape GIGN. GIGN, Aton, en général, Google est mon ami. Et ça marche. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as déjà porté l'aéri? Tu es déjà rentré dans un feu, tout ça? Alors, l'aéri, oui. Okay. L'aéri, parce qu'en fait, on travaillait avec. Au GIGN, on travaille avec l'aéri. Rentrer dans un feu, j'ai eu l'occasion, quand j'étais au GIGN, d'avoir un échange avec des pompiers. Et ils nous ont mis un peu en difficulté, comme ça. Ça, je fais un petit peu, j'ai touché du doigt, mais pas comme on va faire là. Ok, est-ce que c'est quoi tes sensations? T'es pressé d'y aller? Ah ouais, moi je suis pressé. À partir du moment où t'as de l'adrénaline, puis le feu est fascinant. Ouais. Enfin, moi, je suis pas pyromane, hein, mais j'avoue que j'ai une fascination à voir. Et tu sais, tu sens que tu maîtrises pas. Et tout ce que je ne maîtrise pas me fascine un peu. Ça t'intéresse et voilà. Ok, ça marche. Donc là, je te souhaite bon courage parce que là, on va aller s'équiper puis aller derrière. Ça va être cool. Yes! Allez, on va commencer la journée pour faire un FGI, Fire Gas Ignition. Donc en fait, on va baisser notre plafond de fumée. On va ouvrir notre foyer pour que la flamme enflamme tous nos fumées. Vous allez voir, ça va être magnifique. Ça y est, on est tous installés, on voit le développement du feu, le plafond de fumée qui commence à s'épaissir. Au début, c'est de la fumée blanche due à la vapeur d'eau et plus ça va aller et plus le plafond de fumée va avoir cette couleur jaunâtre et va s'épaissir. Et c'est ce qu'on recherche, ces gaz de pyrolyse qui vont s'enflammer. Une fois que notre plafond de fumée est bien jaunâtre, là, on va pouvoir essayer de faire un petit FGI, donc Fire Gas Ignition. Le but, ça va être de faire enflammer notre fumée avec
la source de chaleur qui est notre foyer. Ça commence tranquille, on voit qu'il y a juste le côté droit qui s'est enflammé. Et plus ça va aller, plus on va monter en température et plus vous allez voir que ça va vraiment tout s'embraser. Serge, toi tu travailles chez Sulitec, c'est le caisson qui est juste derrière. C'est un caisson à foyer fermé. Explique-nous un peu la différence et puis qu'est-ce qu'il a de plus que les autres. Effectivement, donc Sulitec, on est une entreprise dans l'isolation très haute température, allant de 250 degrés à 2500 degrés. Notre spécialité, c'est les caissons à foyer fermé pour recréer les phénomènes de feu en milieu clos avec les phénomènes thermiques derrière qu'on connaît comme les noms de backdraft, flashover ou FGI. J'ai vu que c'est bien isolé, il y a aussi un traitement de fumée, c'est ça? Exactement, donc l'isolation va de 1200 degrés à peu près 50 degrés en zone basse au niveau de la température. Ces résistances vont également au contact flamme et c'est pour ça qu'on a des caissons qui sont quasiment imputrescibles et qui sont isolés par l'intérieur par rapport à d'autres caissons qui n'étaient pas isolés et qui sont tout rouillés de corteille. Foyer fermé, on a juste une porte, c'est ça? On a un foyer où on met le feu. Exact. Et après on referme et on joue avec cette porte, c'est ça? C'est ça, on a un foyer fermé qui est surélevé par rapport à une sole qui est donc à un tiers de hauteur. Et donc on joue avec une porte assez conséquente, plus un exutoire pour relâcher, dégazer s'il y a besoin. Donc dans le traitement des fumées au-dessus qui vient venir laver les fumées, donc pour récupérer tout ce qui est suie et courant dans ça. Et on va faire des veines d'air pour jouer là-dessus justement avec les gaz de pyrolyse, à faire des fumées chaudes, des fumées un peu plus tièdes, donc c'est-à-dire des fumées changement de couleur, etc. Pour amener au backdraft, au flash ou au FGI. Ça y est, on voit que notre caisson est bien en température, là franchement ça marche nickel, c'est magnifique. Et là Serge, qu'est-ce qu'il y a derrière là? Donc ici on est dans une zone de diffusée d'attaque avec la partie progression dans un 40 pieds latéral qui est toute isolée également toujours pour 1200 degrés. L'idée c'est de contenir un feu calibré ici avec un dambo en termes de bras zéro pour les jets d'impact. On peut également faire du jet droit, jet bâton. Ok, donc là on peut s'amuser, progresser avec notre lance et on va pouvoir mettre on de l'eau. On peut faire de la technique de lance, on peut faire du TDL, on peut balancer de l'eau dans les caissons Sulitec. Là maintenant on va faire un FGI mais dû à une autre source de chaleur. Donc c'est pour ça qu'on va fermer nos portes, vraiment descendre notre plafond de fumée. Et le but c'est qu'avec notre torche on va devoir enflammer notre plafond de fumée. Franchement les gars, je vous laisse admirer, c'est magnifique. On va voir ces poches de gaz qui vont s'enflammer. C'est tout simplement pour vous montrer que les fumées, elles peuvent être inflammables, explosives, peu importe où on est. Même si on est loin du foyer et qu'il y a de la fumée, il faut quand même faire attention. Et on peut aussi le voir sur une phase de déblai du feu, il peut y avoir une poche de gaz qui peut s'enflammer sous un faux plafond, donc faut vraiment faire attention. Ah, je viens de sortir du caisson les gars, c'était le top, vous avez vu. Foyer fermé avec le système de porte, avec le foyer qui est au-dessus, c'est le top. On peut vraiment faire tous les phénomènes thermiques en jouant juste sur la porte et sur l'ouvrant bien sûr, mais on est allongé, on admire le plafond de fumée qui s'enflamme, on voit les anges danseurs, les rollovers, je pense que c'est le top. Je pense que Atan et Lalou, ils ont kiffé.
Maintenant, Lalou et Aton vont tester la lance d'incendie. Encore, vas-y. Encore, vas-y. Allez, à fond. Oh putain, hey, tu fais le voisin là-bas. Je sais pas qui c'est qu'il y a derrière, mais... C'est un terrain de... Ah, voilà. Voilà. Là, c'est la doucette, là. Je refais un coup d'essai, hein. Vas-y. Bon alors, Lalou, comment t'as trouvé, là? Spectaculaire. C'est vrai? Franchement, hyper... Tu pensais pas que c'était comme ça Non, je pensais pas avoir aussi chaud. Ouais. Après, c'est vrai que les équipements, ça protège super bien. Ouais, en fait, ça protège bien. Il faut vraiment faire confiance au matériel. Quoi. Ouais, après, en fait, plus tu vas te rapprocher du foyer, plus forcément tu vas avoir chaud. Mais voilà, déjà une bonne expérience, quoi. J'ai pas osé. Ouais. Non, là, c'était... Mais tu sens que tu vois quand c'est beau après quand tu vois le plafond qui s'enflamme. C'est magnifique, mais tu sens que t'es rien du tout. Quoi. Ah ouais. Ça tient un peu de chance. Ah, bonne expérience alors. Ouais. Top. Allez, ça y est, Aton, alors, comment t'as senti le truc? Franchement, moi, comme je disais, tu vois, le feu me fascine. Ouais. C'est beau, hein. C'est beau. C'est un élément de la nature, ça vient, mais par contre, tu sens que t'es une merde en fait. Ouais. Dès que la vague arrive, tu sens tout de suite la chaleur. Ouais. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on sent que tu vois, tu as la fumée, mais tu sens pas le danger. En fait, moi, c'est le truc, c'est que tu vois la fumée, ok, le feu est très localisé dans une zone. Et en fait, c'était une ouverture qui se faisait. Et forcément, tu as la flamme qui part dans la fumée et qui vont s'enflammer. Et là, dès que ça s'embrase, et là, nous, on est vachement bien équipés. Parce que je sentais, là, je suis en sueur en dessous. Ah, je suis trempé. Là, j'ai fait sauna, grave. Mais par contre, ouais, tu sens que si t'as pas l'équipement, tu tiens combien là-dedans? Et en plus, là, l'avantage, c'est que tu sens moins la chaleur. Pourquoi? Parce que ça s'évacue tout de suite. Ouais, ça s'évacue. Imagine dans un appartement où c'est fermé, la chaleur, elle reste effumée, elle commence à descendre. Et c'est là où c'est dangereux, tu vois. Alors moi, ce que j'imagine, c'est que là, on était couché, on était inactif, on a l'aérie. Alors l'aérie, on respire bien. Ouais. Comme je te dis, c'est mieux qu'un masque filtrant. Là, tu respires, t'as pas besoin de forcer, t'as pas de gêne par rapport à ça. Donc l'aérie est relativement facile pour la respiration. Donc c'est pas anxiogène. Par contre, là, je me dis que je transpire comme ça, sans faire d'effort en étant couché. Je me dis que là, si je suis debout, que je tire la lance incendie. Avec de l'eau dedans. De l'eau dedans, avec le stress de déjà, est-ce que je vais m'en sortir? Parce que là, on sait. Ouais, moi, j'étais en confiance. C'est hein. Ça, ouais. Mais t'es pas en confiance, tu sais pas si tu vas t'en tirer. Il y a peut-être une victime, il y a à extraire du monde. Ouais. Bon, bah, respect, quoi. Donc, voilà. Top, je le savais déjà, hein, franchement. Donc, ceux qui balancent des pierres aux pompiers, là. Oh putain, vous aurez affaire à moi. Eh, les gars, Aton, il va venir. Non, c'est un métier de ouf. Non, c'est bah après, c'est chaque métier a sa spécialité. C'est pour ça que nous, on est obligé d'avoir des connaissances, de s'entraîner physiquement. Parce que même les connaissances, ouais, tu vois. Là, mais là, tu vois, c'est basique. Mais après, il va falloir voir ta courbe du feu, savoir où t'es. Ah, parce que ça. Si t'apportes de l'air, enfin voilà, il y a plein de choses à savoir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas foncer tête baissée. Il faut vraiment calculer et analyser. Mais merci pour l'expérience. Ah, c'était top, franchement. Top. Allez, ça y est, on a fini la petite journée. Comment vous avez trouvé la journée? Vous avez kiffé ou pas? Ouais, super. Ouais. Ouais. Super découverte. Ouais. Non, super découverte. C'est un métier passion. Je comprends pourquoi. Ouais. C'est dur, franchement. Ouais. Enfin, je pense qu'on a nos têtes là quand on est sorti tout à l'heure, on a filmé. On devait être défoncé. Un super partage, j'aime bien. Ok, nickel. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Moi, merci à tout le monde. Merci à Aton, à Lalou, à Suitec, aux 1045. Et voilà, c'était vraiment une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.